Bonjour, dans cette leçon numéro 2, nous allons redécouvrir l'interface explorateur de fichiers et voir cette fois-ci plusieurs éléments. Premier élément que nous allons voir, c'est où se trouvent les disques durs et quelle est leur utilité. Par exemple, dans le disque C, nous verrons qu'il y a donc Windows, votre système d'exploitation qui permet de faire un fichier Windows, qui a donc été installé dans cette unité. Nous verrons également dans le haut de l'explorateur de fichiers, les différents menus, la façon de les afficher et leur utilité. Allons-y. Lorsque vous ouvrez l'explorateur Windows, par exemple par le biais des dossiers jaunes, vous voyez apparaître donc l'explorateur et en cliquant gauche, le cas échéant sur ce PC, vous voyez en fait les unités de stockage. Sur cet ordinateur, il y a 1, 2, 3, 4, 5 unités de stockage. Sur votre ordinateur, vous aurez toujours au moins une unité de stockage immatriculée C, indiqué disque local. On peut changer le nom si on veut, mais par défaut, disque local ou mon PC, peu importe le nom qui est ici. La première lettre sera toujours immatriculée C, comme je l'ai dit précédemment. Ensuite, vous pouvez éventuellement, si vous avez sur votre ordinateur portable, un lecteur immatriculé D, E, F, peu importe. Si vous n'en avez pas, ce lecteur n'apparaîtra pas. Pour ma part, sur cet ordinateur, j'ai un disque dur extérieur, un autre disque dur extérieur, un troisième disque dur extérieur, donc ça fait beaucoup, mais j'ai donc beaucoup de capacité de stockage. Alors pourquoi faut-il stocker? Eh bien tout simplement parce que déjà lorsque Windows est installé, Windows ainsi que tous les programmes qui ont été installés par Windows d'une part et par vos soins ou le soin d'autres personnes, tout est stocké sur le disque dur C. Ce disque dur C a une capacité, et cette capacité va bien sûr diminuer dans le temps au fur et à mesure que vous allez ajouter ou augmenter au fur et à mesure si vous supprimez certains éléments. Mais on ne peut pas tout supprimer, c'est évident. Prenons le cas. Donc on va faire abstraction ici de cet ordinateur hein, avec les unités F, G et H. On va partir du principe que nous sommes que avec votre disque dur C. Sur le disque dur C, quand vous faites deux clics gauche, je vous invite à faire deux clics gauche, comme ceci, vous allez voir donc un certain nombre d'éléments qui apparaissent. Dans ces éléments, vous avez le dossier qui s'appelle Windows. Il ne faut jamais renommer ce dossier autrement que Windows. Si vous renommez ce dossier autrement que Windows, vous risquez d'avoir des dysfonctionnements et que Windows ne fonctionne plus d'une part. Si vous cliquez deux fois sur Windows, par curiosité, vous allez voir une foultitude de dossiers et de sous-dossiers qui apparaissent et de haut en bas un certain nombre d'éléments qui font partie donc de l'installation de Windows. C'est grâce à l'installation de tous ces éléments que Windows fonctionne sur votre ordinateur. Vous remarquerez dans la barre du haut que est indiqué le nom donc de votre ordinateur, ici ce PC, tel qu'il est là, donc le ce PC. Dessous est indiqué disque dur local C. Nous l'avons donc, on a cliqué deux fois sur C. Et en cliquant deux fois sur C, nous avons cliqué deux fois sur le dossier Windows. Et vous voyez donc ceci s'appelle une arborescence. C'est le principe des armoires avec des étagères. Ici, ça c'est l'armoire complète. Ça c'est l'armoire, on vient de l'ouvrir. Il y a une première étagère qui s'appelle disque local C. Et il y a une deuxième étagère qui est juste dessous et qui s'appelle Windows. Pour changer de niveau d'étagère, eh bien par exemple, si vous avez vous une armoire avec deux étagères, vous allez passer avec votre bras donc vers l'étagère du haut, hein, plus haute que l'étagère que vous visez. Donc ça veut dire que quelque part ici, bah, vous faites un clic gauche sur disque local et vous voyez effectivement que nous avons monté d'un cran hein, dans cette arborescence et que nous voyons maintenant Windows. À l'identique, si vous cliquez sur ce PC, je clique gauche sur ce PC une fois, vous voyez que nous sommes revenus ici au disque C local.
Donc, regardez bien ce qui va se passer encore maintenant. Je vais refaire la même chose à l'envers. Si je clique deux fois sur le disque C, nous arrivons donc à l'intérieur du disque C et nous constatons qu'il y a donc des dossiers. Et vous voyez que là, nous sommes ici passés à un niveau inférieur. Si je clique deux fois sur Windows, vous voyez que nous sommes encore passés à un niveau inférieur, c'est-à-dire que là, cette fois-ci, nous sommes dans le dossier Windows. Et quand je dis dossier, c'est un élément, un icône qui est en jaune, hein, comme celle-ci, comme un dossier carton. Et dans ce dossier Windows, nous avons un certain nombre d'autres dossiers qui peuvent à leur tour contenir d'autres dossiers, d'autres sous-dossiers. Tout dépend effectivement, je dirais, des éléments comme ici. Vous voyez, en fait, on a plein de fichiers qui vont apparaître, qui sont en l'occurrence les différentes polices de caractère disponibles pour Windows, pour votre traitement de texte, pour les affichages tout azimut dans vos textes, dans vos applications, etc. Et vous voyez là, en fait, on est encore descendu d'un cran. Donc là, de Windows, je suis descendu dans Font en anglais, ça veut dire en fait police de caractère. Si vous cliquez sur Windows pour revenir sur le niveau supérieur, vous faites un clic gauche sur Windows et vous voyez que nous voyons Font. Un clic sur disque local, nous voyons Windows et un clic sur ce PC, nous revoyons notre disque dur qui est ici. Vous venez donc de découvrir d'une part le disque C. Et en même temps, vous venez de découvrir qu'il est possible d'aller regarder à l'intérieur de ce disque C en cliquant deux fois, par exemple, sur le disque C. Vous êtes descendu d'un cran, donc vous avez ouvert l'armoire et vous découvrez les différentes étagères de cette armoire. La première étagère, eh bien, comporte tout ça. Si vous souhaitez, dans l'étagère, faire des recherches, vous cliquez deux fois sur un dossier et nous descendons d'un cran dans ce dossier pour voir ce qu'il y a dedans. À l'identique, si nous cliquons encore sur un dossier tel que Font, vous voyez en fait que nous allons dans Windows regarder ce qu'il y a dans le dossier Font. À l'intérieur du dossier Font, dans ce cas de figure, il n'y a pas d'autres dossiers ou sous-dossiers. Je reviens à un niveau supérieur et on va prendre par exemple ici un dossier particulier hein, qui est le dossier système. Alors on va chercher après le dossier système 32. Je vais cliquer deux fois dessus. Là, vous voyez effectivement que nous sommes dans Windows. Je suis dans Système 32, et si quelque part je clique sur certains dossiers, je peux encore avoir, dans certains cas, des informations qui sont contenues dans ces dossiers. Comme ici, il y a certains accès de fichiers et de dossiers qui ne vous sont pas autorisés. Ça n'est pas une erreur de Windows, c'est simplement Windows qui s'autoprotège pour ne pas devoir effectivement apporter des modifications qui lui seraient donc contraignantes ou fatales. Donc là, donc vous voyez en fait, on peut à ce moment-là, dans certains éléments, vous voyez en fait, on peut avoir des fichiers à l'intérieur. On parlera des fichiers, des extensions par la suite, mais ne vous arrêtez pas à ce genre de choses. Nous allons apprendre au fur et à mesure les fichiers, les extensions de fichiers, quels sont les fichiers dont vous avez besoin et les connaissances dont vous avez besoin sans vous casser la tête. Donc là, oui, je suis en fait ici sur ce PC, je suis descendu dans le disque local C, nous avons vu Windows, je suis descendu dans Windows voir ce qu'il en est et j'ai vu Système 32, je suis descendu dans Système 32 et je suis descendu ici dans un dossier qui s'appelle Appraiser. Encore une fois, je reviens là, au niveau supérieur, mais si je veux revenir directement tout en haut, je fais un clic tout en haut et nous revenons directement ici. Voilà, concernant donc Windows. Concernant le disque dur C, qui est une unité de stockage, et cette unité de stockage, c'est une unité minimale qui est obligatoire. Si nous n'avions pas d'unité de stockage, vous n'auriez pas Windows, vous ne pourriez pas enregistrer les documents que vous avez créés avec Word, Excel ou avec d'autres produits, vous ne pourriez pas non plus naviguer sur Internet, donc ceci est obligatoire. Les autres unités, comme celles que vous voyez ici, sont facultatives. Elles sont très utiles. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas tout stocker sur le même lecteur, pour des raisons de sécurité que j'expliquerai plus tard dans les autres cours, mais on va surtout s'attacher à faire travailler Windows et enregistrer ce que nous avons besoin, et ces enregistrements vont se retrouver dans des dossiers tels que documents, téléchargements, images, vidéos, musique, etc., qui sont en fait nos besoins principaux. Voilà, nous allons arrêter cette leçon numéro 2 à cet endroit. Et dans la troisième leçon, nous allons voir cette fois-ci
et déployer effectivement les différents modèles d'affichage par les icônes, les grandes icônes, etc. et voir à quoi servent les extensions qui sont ici. Merci d'avoir suivi cette vidéo, donc je vous attends dans la prochaine vidéo. À bientôt.